C'est la pêche, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Natiz et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 13 de notre aventure sur Prison Architect. J'espère entre nous que cet épisode ne sera pas un petit peu étrange hein, parce que c'est le numéro 13 hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y a peut-être des chances que ça se passe mal, mais non, moi j'en suis sûr. Et vous savez pourquoi ça va bien se passer? Parce que regardez, regardez-moi ça, vous les voyez ces petits hommes des gangs? Et ben voilà, ils sont désactivés les amis. Et voilà, donc ce genre d'homme là qui a passé sa vie à s'entraîner pour faire partie de son gang favori, qui a mis des tatouages de tous côtés sur son petit visage, et bah non, tu seras plus actif dès à présent parce qu'il n'y a plus de gang. Voilà, il n'y a plus de gang dans cette prison, on les a carrément désactivés. En même temps, c'était le minimum à faire, hein. C'était vraiment n'importe quoi dans cette prison. On pouvait plus rien faire, hein, c'était simple. Ils étaient bien trop vénères, hein. Et regardez, sans prisonniers, et bah c'était complètement ingérable avec les gangs. Alors je sais pas si c'est un bug du jeu ou quoi que ce soit, ou peut-être que de mon côté, bah j'ai tout simplement mal fait cette prison, mais de mon côté, j'en suis certain, c'était impossible de continuer cette aventure avec des gangs. À moins qu'il y ait, voilà, 50 morts par jour. Mais enfin bon, c'était complètement n'importe quoi. Alors dans cet épisode il va s'en passer des choses. C'est parti, déjà on va vendre. Oh, cette vente de parts. Donc on a vendu les parts donc de notre prison. Et on va pouvoir dès à présent rembourser notre prêt. Where is my prêt? Alors diminuer, voilà, donc on a plus de prêt, donc c'est quand même vachement bien. Nous étions donc complètement bloqués là sur cette pauvre petite prison qui ne ressemblait plus à rien. Voilà, on avait atteint les 115 prisonniers et on pouvait plus trop avancer. Et bah dans cet épisode nous allons avancer de beaucoup parce que voilà, on a de quoi faire. Alors on va faire déjà un nouveau bloc de cellules ici parce que nous on commence comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on va mettre une double porte, hein, tout à fait. Et j'aimerais bien, je sais pas ce que vous en pensez, faire une nouvelle cantine. Voilà, parce que je pense que maintenant, il y a quand même pas mal de prisonniers dans cette prison. Et ça va vite s'agrandir maintenant. Il serait peut-être donc intéressant d'agrandir la fameuse prison. Alors, je vais juste attendre la journée parce que je vous avoue que c'est un petit peu moyen la nuit, là. Enfin, on voit pas grand-chose. Je vais mettre des petites portes. Les petites portes du personnel comme ça pour que les prisonniers... mais qu'est-ce que je raconte? Non, les constructeurs, voilà, puissent passer parce que... faut pas déconner non plus. Et donc, normalement, c'est censé être un peu plus calme dans cette prison. Ça pousse tranquillement à la salle. Bon, il y a des gens qui sont pas contents. Je veux plus d'alcool! Nourrissez-moi d'alcool! Ah mais mec, oh! Eh, c'est une prison ici, c'est pas le bar du coin, hein. Si tu veux de l'alcool, il va falloir que tu sois un petit peu plus sympa. Hein, comme ça tu sors de prison et t'iras boire. T'iras noyer ta tristesse dans l'alcool, Billy. Tout à fait. Alors, on va créer notre fameuse cantine qui va être assez grande. Je vous l'annonce. Ça va être vraiment une grande cantine, mais elle est censée pouvoir tenir bah, jusqu'à les 400 prisonniers. Donc voilà, on va faire un truc comme ça. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Oh là là là, la destruction des murs. La destruction des murs, les amis. Bon, ça va pas. On va vite faire reconstruire ces murs. Et donc ici, on va avoir un nouveau bloc de cellules. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors ici, on va avoir donc notre fameuse cantine. Je pense que là, elle devrait être suffisante. Il ne faut pas non plus la mettre extrêmement grande. Hein. Je pense que ça ne sert à rien. Et on va donc... j'aimerais bien faire une petite cour également. Parce que notre cour est vraiment trop grande. Enfin, trop petite, je veux dire. Au contraire, il serait donc peut-être intéressant de fabriquer une autre cour. Alors on va la faire relativement grande. Hein, parce que de toute façon, elle est assez longue si possible. Comment? Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On va partir du principe que c'est pas mal. Et là, donc, bim, on va l'entourer, hein, toujours avec notre petite technique légendaire. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais oh! Faut arrêter au d'un moment. Ça vole les ciseaux et tout ça, hein. Ah, vous inquiétez pas, je les ai bien vus, hein. Regardez-moi ça. Et non mais c'est complètement dingue, regardez-moi ça. Introduit, tout ça. Il y a quand même des armes qui n'ont pas été détectées. Pourtant, il y a des maîtres chiens, là. Enfin, il y a des chiens de garde et tout ça. Il faudrait peut-être plus de chiens de garde, en fait, ici. Je pense que ça serait une bonne idée. Alors, wow, je suis en train de me rendre compte qu'ici, c'est complètement surchargé. On va faire un truc, vous savez quoi? Vous savez quoi? Dans cet épisode, c'est l'épisode du renouveau. Alors, on va casser des choses, on va détruire tout ça. On va détruire ça également, on va essayer de faire plus de place. Hein, parce que là, rien ne va plus. Il manque de la place dans cette zone-là. On se calme, le chien. Ok, on va démonter ça, on va démonter les portes. Alors le chien, est-ce qu'il a découvert des trucs? Il me semble pas. Alors ici ça construit grave, ça construit dur, ça work, ça hard work même si je peux dire. Bim, on va mettre 3
double porte. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que les prisonniers ne sont pas contents? La chaleur, eh bah oui, il fait combien de degrés là? Zéro. Oh, c'est bon. C'est bon, les Billy. Vous êtes jamais contents. Jamais heureux. Toujours un souci, toujours un problème. Oh, hein, c'est bon. On va se calmer. Au bout d'un moment, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Joli cœur, regardez-moi ça. Il s'appelle Joli Cœur. Oh le con. Il s'appelle Joli Cœur. Oh le con. Non mais oh. Il est prisonnier, il s'appelle Joli Cœur. Ça va pas ça. Rien ne va plus. Eh bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Les alcoolos, on les. Voilà. On les piège dans l'alcool. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Eh bah une bouteille d'alcool. Eh bah oui, tout à fait. Bah bravo. Où va le monde? On se demande bien. Oh et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bah alors, on n'est pas content? Bah alors, on tape les méchants gardiens? C'est ça, mais. Salaud. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, lui, il est vénère. Lui. Oh, lui, il est vénère. Hein. Pourtant, il est bien nourri. Il a aucune raison de se battre. Hein. Mais il tape quand même les gens. Parce que c'est un mec violent. C'est un mec violent, voilà, moi je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, à part le souci de température, de chaleur, qu'est-ce qu'il y a? L'hygiène, ok, ça peut être résolu. Spiritualité. Oh, ça peut être réparé la spiritualité, vous allez ici. D'ailleurs, attendez, ce que je vous propose, ce serait peut-être mettre un petit peu plus de comment ça s'appelle de choses là, comment ça s'appelle, voilà. On va mettre thérapie de groupe anti-alcoolique, on va mettre audience de conditionnel, ouais, guidance spirituelle, ben, il y en a deux en plus. Je comprends pas pourquoi ils sont pas contents. La thérapie comportementale qui ne peut pas se faire, alors, on va essayer de voir ça rapidement, on va essayer de faire une zone pour la thérapie... Parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus, ça ne va plus. Alors, ici, on va dupliquer donc ces fameuses salles. Enfin, ces fameuses cellules, parce que des salles. Alors, est-ce qu'on peut parler de salles? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas du tout. Allez, on va faire ça comme ça. Comme ça, comme ça, et comme ça. C'est très très bien, Eo. Ce luxe légendaire là qu'on leur offre. Voilà, voilà, on a un nouveau bloc de cellules. Fort sympathique, voyez-vous. Bim, très très bien, je suis très content. On est très content. Ici, ça, ben, ça avance pas mal. Les gens sont contents, ils sont là. Oh bah dis donc, je trouve qu'on a bien mangé aujourd'hui. Ah bah oui, les prisonniers sont bien nourris. Bon, il y a toujours deux gars. Ah, eux, c'est les dalleux de service. Eux, je les connais. Le petit Kevin là et le petit John. Ah, eux, ils sont bien connus. Hein. Connus au bataillon, hein. Comme disent les jeunes. Ah mais oui, tout à fait. Regardez-le là. Il est là, il attend sa bonne pitance. Non mais oh, c'est pas l'heure. Reviens plus tard. Une petite photo. Oh, sympathique. Ouais, vous avez... Ah, c'est une salade en fait, c'est pas un chou. D'accord, bah je me suis trompé, my bad. Wow, 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 wow. Et on se calme là. On est dans un lieu de spiritualité, les Billy. On n'est pas là pour faire le combat. Non mais oh. Ah non mais ça se tape et tout. Respecte rien du tout. C'est quoi ce bordel? Alors, il nous faudrait faire une nouvelle chapelle. Parce qu'ils m'ont pas l'air très... Je sais pas, ils m'ont l'air stressés, les Billy. Il faudrait peut-être une nouvelle chapelle pour les rendre plus heureux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air une bonne idée. Une bonne idée. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer un nouveau bâtiment. Or, c'est là-dedans qu'il va y avoir tout ce qui va être buanderie, tout le bordel. Et donc, là-haut, on va laisser un peu de place, quand même. Parce qu'il faut des petits couloirs, il faut qu'ils puissent circuler. Il faut de l'aération, hein. Exactement. Il faut qu'ils puissent s'aérer l'esprit. Et donc, ici, il va y avoir... l'église. Enfin, l'église, la chapelle, plutôt. Voilà. Et j'aimerais bien qu'ici, il y ait... La bibliothèque. Alors pas très très grande la bibliothèque. Une petite bibliothèque. Qu'on va faire là. Voilà. Ce sera très 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 largement suffisant. Petite bibliothèque des familles. Voilà, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Allez, j'espère que ça construit dur. Parce que là, on n'a pas le temps nous. On n'a pas le temps. Hop. Alors du coup, regardez, ils ont détruit tout ce qu'il y avait là. Et du coup, c'est vachement cool. Parce que si je vais dans le dépôt, je peux agrandir le dépôt. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, on va agrandir le dépôt. Les poubelles, voilà, toujours là. Et même, on peut mettre un petit peu de livraison. Alors c'est quoi ça? Endroit où sont déposées vos marchandises, voilà, et vos prisonniers. Ah bon? Ah. Mais attendez, pause. Il y a un souci en fait, c'est la livraison qu'il nous faut là. Livraison. On va mettre déchetterie. Et là, exportation. Où se trouve l'exportation? Exportation, voilà. Bon, on va voir parce que voilà, il y a des zones là, à ce que je vois. Le problème, c'est qu'on voit pas. Regardez-moi toutes ces caisses. Ah ouais, non, ils arrêtent pas. Hein.
Ils arrêtent pas avec leur caisse de merde. Non mais oh, moi je suis pas content. Je suis pas content, t'entends? Ah, il y a plein de trucs en fait. D'accord. Il nous faut quoi? Alors je cherche parce que voilà, je suis un peu aveugle aussi. Ça aide pas. Voilà, bah comme ça m'a l'air très très bien. Bon, c'est parfait. On va prendre des nouveaux gardiens parce que je vois que là on est un petit peu en excès. Plus deux gardiens donc. Et on va essayer de... C'est quand même un petit peu la... C'est pas extrêmement calme non plus, hein, mais bon. Dans l'ensemble, ça se passe relativement bien quand même. Alors personne ne veut bosser à l'atelier, ça m'attriste beaucoup. C'est normal, hein. Les prisonniers de haute sécurité ne veulent pas travailler. Ils n'ont pas envie de travailler, n'ont pas envie de bosser. Ils sont là vraiment pour rien glander, on peut le dire, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rien, on glande. Voilà, on se parle, on papote et tout ça. Allez bosser, non mais oh, donnez-moi de l'argent. Plus d'argent. Ah bah écoutez, c'est l'esclavage, on peut le dire. Oh là là là, de l'inconscience, on passe de la conscience toujours. Ah ouais, ça c'est un souci, hein. Il faudrait vraiment essayer d'éviter que les gens se tapent comme ça. Je sais pas trop comment faire. Pourtant, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des besoins? Ah, c'est sûr, il fait un peu frisqué, mais bon, voilà quoi. On fait ce qu'on peut, Peut-être qu'en fin de compte, il faudrait retirer un petit peu de cours. Mettre qu'une heure de cours. C'est peut-être la solution, hein, je sais pas. I don't know. Alors, ici, va la nouvelle chapelle, d'accord. Donc ça, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. C'est toujours en train de travailler dur. On va laisser ça ouvert. On a combien d'ouvriers? On va peut-être prendre quelques ouvriers en plus. Oh là là! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Attention! C'est l'appel du directeur. Bah, je crois que oui. Un tuyau a lâché, inonde le secteur. Réparez-le avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Eh! Ouais, un problème de tuyau là, c'est la tuyauterie. Oh là, lâché, hein! Oh bah dis! Oh, une fois! Il va falloir remettre du diamètre de 12, hein! Allez, venez réparer ça! Venez réparer ça là! C'est l'inondation dans la prison! Vite, dépêchez-vous! C'est maintenant ou jamais! Allez! C'est parti là ou quoi? Ça travaille dur ou quoi? Allez là! Mettez-moi ce tuyau dans mes bons sangs! Bon sang de bonsoir! Ah voilà, ça y est! L'inondation devrait s'estomper d'ici quelques instants! Voilà, c'est parfait! C'est parfait tout ça! C'est très très bien, je suis très très content! Alors on va mettre des petits détecteurs de métaux ici, ici également! Et mince! Et là, de plus! Voilà, tout à fait. Ici, bim, j'aimerais bien faire une petite zone. On va la même faire plus grande que ça. On va la faire moitié. Ouais. Et puis ça comme ça. Vous en pensez quoi? Regardez. Ici là. Oh mince, oh, je voulais pas faire ça. Mince, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai acheté plein de portes, c'est pas grave. Ici donc, là, ouais, vous voyez très bien là. Ici il y aura en fin de compte tout ce qui est produit pour qu'ils puissent aller faire le ménage. Ici, cette zone là, il y aura tout simplement une autre buanderie. Et là, ici ça va être une zone de stockage qu'on peut déjà assigner comme ça. Parce qu'attention, il va y avoir un entrepôt donc pour les constructeurs, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi un nouveau poste électrique parce qu'on va avoir besoin d'électricité. Et donc on va mettre quelques condensateurs. Et on va remettre une station de pompage parce que regardez, imaginez, c'est l'apocalypse totale. Alors attendez, faut que j'amène les tuyaux. C'est l'apocalypse totale et là ça explose ou je ne sais quoi, il y a le feu. Et bah du coup on n'a plus d'eau parce que la station de pompage est alimentée uniquement par ce poste électrique. Mais du coup si on crée deux stations de pompage, on va pouvoir facilement gérer l'eau en fait. Et ça c'est une bonne chose, hein. Il y a de quoi être content là, j'espère que vous êtes content. Moi je suis heureux, tout va très très bien. Alors du coup ce qu'on va faire c'est que regardez, on va mettre de l'électricité un petit peu par là. Hop. Voilà, c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir. C'est du beau. C'est du beau jeu ça, c'est du beau jeu, mais oui. Hop, on va juste alimenter un peu ici. Hop, on va alimenter par là. Comme ça. J'aimerais bien en fait démonter ça là et alimenter plus. On va alimenter les grosses machines avec le nouveau générateur qui est bien plus puissant. Parce que lui, il est presque à la limite. Et je pense qu'il serait cool de mettre peut-être plus de machines. Même si pour l'instant, il n'y a pas trop de travailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir quelques machines en plus, voilà.
Attendez, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc il faut un comme ça. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien ça. Je suis sûr. Tiens, regardez. Franchement, il doit se sentir un petit peu seul. C'est le seul mec de toute la prison qui a envie de bosser là-dedans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va faire, ça va le faire. Alors par contre, ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on aura demandé de faire là, du coup, dans la prison. Il va falloir essayer d'accélérer un peu le temps. Et on a combien d'ouvriers? On en a 17. Ouais, on va en prendre un petit peu plus. Un petit peu plus d'ouvriers. Bon, bah du coup, regardez, on a une zone ici qui est assez grande. Alors on perd de l'argent tous les jours, mais j'aimerais bien qu'ici, ça soit un petit peu plus rapide, si possible. Essayez de vous dépêcher un petit peu. Bon, j'avoue que j'ai quand même demandé pas mal de choses à faire. Ah, ça y est, il y a de l'électricité ici. J'avoue que j'ai demandé quand même beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc il va falloir que ça se dépêche. J'aimerais bien donc prendre des nouveaux prisonniers. Bah regardez, attendez, vous savez quoi, on va déjà commencer à accepter de nouveaux prisonniers dans la prison. On va en accepter, je sais pas moi, 128, ça devrait être bien. Là il y en a 126, mais il y a encore pas mal de cellules qui restent à faire. Et du coup ici, hop, on va mettre deux gardes. Et là on va mettre des gardes, ici il n'y avait pas de gardes. D'accord, très bien. Ça c'est pas mal, ça m'a l'air relativement bien, je suis assez content. Alors, qu'est-ce qui se passe à côté de ça? Franchement c'est calme, hein. Regardez-moi ça, c'est beaucoup plus calme par rapport à avant. Bon là ça augmente un petit peu, ça dépend comment les heures, etc. Mais dans l'ensemble ça m'a l'air relativement bien, je suis assez content. Ça va, bah, depuis qu'il n'y a plus de gang, hein, ouais, il n'y a pas photo, hein. Clairement, ça, voilà, ça a diminué. Hein. Le taux de criminalité a clairement diminué dans la prison. On a l'impression que c'est les vacances, là, à côté d'hier. Hein. Ah ouais, non, mais c'était n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Bon. Ici, ça fait le petit taf. Ce parloir, par contre, il est vraiment mauvais. Il va falloir essayer de faire quelque chose de ce parloir, essayer de l'augmenter, de l'agrandir, je ne sais quoi. Il y a combien de visiteurs? Ah, il n'y a pas tant de visiteurs que ça, en fin de compte. Le souci, c'est peut-être pas ça, en fait. C'est pas le parloir, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de familles qui ont envie d'aller les voir. Mais de toute façon, on va rajouter ici beaucoup de téléphones, beaucoup de choses. Parce que bon, voilà, faut pas être dans l'abus non plus. Alors, le mec, il se balade avec un marteau. Mais c'est insupportable, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il y a toujours un homme inconscient, d'accord. Bon, j'espère que ça mange bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, ça me convient. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, ici, on a plus beaucoup d'argent, de toute façon. Mais ça devrait être suffisant. Il va nous falloir mettre donc des cabines téléphoniques. Alors, on va en mettre pas mal. On va mettre une bonne rangée de cabines téléphoniques. J'ai envie de mettre des petits... Mince, évidemment... Bancs de musculation. Voilà. On va mettre des bancs normaux également. Voilà, ça m'a l'air relativement bien. On va remettre des cabines téléphoniques. S'ils ont envie d'appeler leur FIMA, leur MIFA plutôt. Hop, ici on va remettre des petits bancs. Oh là 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 là, c'est cosy. Et franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits prisonniers là? Eh, vous savez quoi, on met même du gravier. Ça nous coûte une blinde, on est pauvre, mais c'est pas grave. On met du gravier, ça fait plaisir, ils sont contents. Ils vont plus pouvoir se retenir, hein. Toute la journée, ils vont être là, je veux aller dans la cour, j'aime cette cour. On va être là, mais attendez, attendez, oh, vous êtes allé déjà de 15h aujourd'hui, il faut pas déconner. Ah non, mais non, ça va être ça, je vous promets. Hein. Ah, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça se dépêche un peu plus par là. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est encore un peu lent. C'est encore un peu lent à mon goût. J'aimerais bien. Regardez, on va verrouiller ça. De toute façon, ça coûte absolument pas d'argent. Voilà. J'aimerais bien verrouiller un petit peu toutes les zones. On voit pas bien, hein, par contre. Ici, on va verrouiller. Ici, on va verrouiller. Voilà. Sans éviter que les prisonniers se baladent non plus n'importe où. Parce que faut pas. Voilà, faut pas. Pour pas être dans l'abus non plus. Ça coûte combien une lumière? 30$. Ah ouais, c'est pas gratuit. Hein. 30$ les petites lumières. Quand on a plus d'argent, ça devient vite cher. On va mettre quelques petites lumières quand même. On va en mettre... on va essayer d'équilibrer à peu près. Faire un truc assez symétrique. Mais je vous avoue que... Hein, assez symétrique. À peu près, quoi. Voilà, ça sera très très bien. De toute façon, on a plus d'argent. C'est la pauvreté totale. Oh là, regardez-moi ce luxe.
Alors, on n'a plus d'argent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vu que regardez, on va avoir 13 000 dollars dans le prochain épisode. Puisque dans cette heure, il y a des nouveaux prisonniers qui vont arriver. Et en plus, là, on a fait beaucoup de choses. Mine de rien. Mine de rien, on a bien bossé. On a bien bossé, on a l'impression d'être pauvre, mais on ne l'est pas vraiment. Vu que, regardez, on a un atelier complètement équipé. Alors, je vais laisser ça ouvert. On a un atelier complètement équipé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'électricité partout. J'aimerais bien que ça soit alimenté. S'il vous plaît, alimentez-moi cette zone. Non, mais oh. Bande de fous. Et là, hop, on va. Oh, on n'a plus d'argent. Est-ce qu'on peut alimenter 100 dollars? Ouais, on alimente ça. Très bien. Ça va le faire, ça va le faire. On va y arriver. Il nous faut de l'argent. J'aimerais bien avoir le paradis fiscal. On va partir sur de la. Voilà. Sur de l'abus total. On va finir en prison peut-être. Hein. On part sur du paradis fiscal. Non, mais ça, ça va être génial. Hein. On va avoir beaucoup plus d'argent. Suite donc au. Comment au. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Attendez, on va le retrouver là, le nom. D'impôt, évidemment, le mot, l'impôt. Évidemment. Alors, j'ai l'impression, et franchement, il y a tout le temps de la neige, etc. Alors, c'est beau, hein, c'est festif. Hein. Ah, c'est Noël, les amis. Mais oui, tout à fait, c'est Noël avant l'heure. Regardez-moi ça. Happy birthday. Ok, c'est aucun rapport. Merry Christmas, plutôt. Vous savez, il faut me pardonner, hein. Je suis pas très très bon en anglais non plus. Happy birthday, je ne suis pas sûr que ce soit réellement la même chose. Et je pense pas que ça a le lien avec la neige. Oh! Mais ça se tape grave là ou quoi? J'ai envie de dormir. Ah, ils sont fatigués, attendez. Ils m'ont l'air fatigués ces gens. Sommeil, ah ouais. Ah ouais. Besoin de sommeil. Bon, vous savez quoi? On va tout décaler alors. Y'a pas de problème. Retournez dormir. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de dormir un peu plus. Très bien, bah écoutez, ça se fait. Ça se fait bien. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parfait. On se dit donc à très bientôt pour le prochain épisode sur Prison Architect. Dans le prochain épisode, ce qui serait intéressant, ce serait déjà d'attendre que l'argent arrive. Hein, voilà, on a besoin de là, on va avoir 13 000 dollars. Et même, vous savez quoi? Bon, allez, on va aller un petit peu plus loin que ça. Voilà, on va aller au maximum du maximum. On va avoir 17 000 dollars dans le prochain épisode pour faire notre cantina, la cantine du futur. On va faire également ici certainement des choses intéressantes, une buanderie et puis un petit bordel là, à balayer. Et puis voilà, on a des choses à faire, on a du taf les amis, parce que l'objectif c'est simple, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas tant de monde que ça, parce que là ça commence à être un petit peu rempli. En attendant, c'était Nati, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune des prochaines vidéos sur Prison Architect ou sur d'autres jeux. C'était Natiz, gardez la pêche, allez bye.